Homemade Hip Hop Grave. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Sergio, fondateur de la marque Dahomey. Bonjour Sergio. Bonjour, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très très bien. Parfait, même avec la neige, ça va? Avec ce froid incroyable, on survit, on essaye. C'est ça, c'est de la survie. Grâce à cette marque, tu as su conquérir le cœur des aficionados de la mode urbaine et des fans de manga dans un premier temps. C'est ça. Et après, la marque a touché un public un peu plus large. On va commencer par parler musique. Ouais. Quelle était la bande-son de ton enfance? Si je dois te donner un son, c'est ça, un morceau? Un ou plusieurs, comme tu veux. Bah, moi j'étais vraiment touché, impacté par Shook Ones Part 2 de Mobb Deep. Ok. Ça, ouais, si on devait donner une bonne son à mon enfance, et même à ma vie, hein, c'est Shook Ones Part 2 de Mobb Deep qui m'a vraiment percuté, l'instru, les paroles, ouais. Prodigy, de la voix et tout. Donc, ouais, l'instru a été. Ouais, récemment, là, ouais. quelques jours, a été nommé meilleur instru de l'histoire du rap, c'est ça? Rap the Bells, ouais. Voilà, donc bravo, c'est pas pour rien. C'est ça, c'est pas pour rien. Du coup, ouais, c'est plus New York, du coup. Ouais, je suis très, 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 très New York. Queens Ouais, très Queens. Très, très Queens. Après, j'ai eu ma période Harlem avec Diplomate, ouais. Voilà, Cameron, etc. Et du coup, Brooklyn aussi, hein. Ouais. Enfin, avec Biggie, Jay-Z, voilà. Mais ouais, je suis beaucoup plus New York. Après, voilà, on a tous eu notre période aussi West Coast avec la vague Up in Smoke Tour qui nous a tous giflés incroyablement. Vas-y. Exactement, donc non, voilà. Mais sinon, on va être très, très New York. Ok. Et est-ce que tu regardais déjà comment ils s'habillaient à cette époque-là? Ouais, bah moi, ouais. C'est ça qui m'a... On va dire, c'est ça qui m'a percuté par rapport à ce que j'ai voulu faire après comme métier, donc la SAP. Ouais. C'est que, donc, il y avait le clip. Et à côté de ça, je regardais vraiment comment les mecs étaient sapés, les ouais. outfits, les couleurs, les assemblages de couleurs, les chaussures, les textures, les matières. Voilà, j'ai vraiment été attiré par tout ce côté-là, hors musique. Et ça a été des éléments déclencheurs pour moi pour me lancer dans la SAP par la suite. Tu vois. Donc ça a été des grosses influences du ouais, coup. Ouais, clairement. Bah, je te parlais d'Harlem, donc les diplomates, Deep Set, eux, ils avaient des outfits incroyables. C'est eux qui ont un peu démocratisé la couleur rose, notamment, voilà. Ouais. J'étais vraiment... j'aimais les prises de risque vestimentaires. Et ces mecs-là, ils savaient le faire, tu vois. Et du coup, tes esquisses, tu les as commencées en t'inspirant de... Ouais, clairement. Bah, j'ai commencé, en vrai, Dahomey, je l'ai commencé, j'étais en cinquième, tu vois. Donc, c'était ma période où j'étais totalement bousillé par les clips de rap, la manière dont les mecs s'habillaient. Et parallèlement à ça, en France, on avait la grosse vague streetwear qui arrivait. Donc les Bull Rotwear, les Royal Wear, les African Armure, les Mafia Kinfry, toute cette vague streetwear qui nous a percuté de plein fouet, clairement. Et donc moi j'avais ces deux influences-là, donc l'influence US avec les clips de rap américain, et notre ambiance également ici de la rue avec les gros suites, les gros suites capuches, les baggies, les bananes. Tu vois ce que je veux ouais, dire ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a un peu lancé dans mon métier, tu vois. Il y a eu Mohamed Dia aussi, enfin, moi Mohamed Dia. Beaucoup influencé. Exactement, Mohamed Dia que j'ai eu la chance de croiser quelques fois et tout. C'est lui un peu qui nous a donné l'heure, entre guillemets. Il nous a dit, voilà, en tant qu'entrepreneur issu de cette culture-là, c'est possible, tu vois. C'est lui clairement qui a ouvert les portes après. Et après, il y a eu plein de gars qui sont arrivés par la suite pour nous montrer la lumière, tu vois. Du coup, toi, tu as créé la marque en 2006. Ouais. C'est ta mère, ta maman qui t'a aidé, qui a déposé la marque. C'est ça, ouais.
Et du coup, après, tu savais déjà où tu voulais aller? Ouais, j'avais en vrai, ce qui est cool avec cette marque et ce projet-là que j'ai, c'est que j'avais la vision dès le départ, en fait. Ouais, ça fait 20 ans que j'ai la vision, que je sais exactement là où je veux aller avec, avec cette marque. Et puis, ouais, pour la petite histoire, quand j'ai eu mon bac, au lieu de m'offrir, je sais pas, une PlayStation ou tout ce que tu veux, ma mère m'a offert le dépôt de marque de Daomé à l'INPI, donc l'organisme qui s'occupe d'enregistrer toutes les, oui, les marques de vêtements, etc., les projets commerciaux et industriels. Et voilà, dès le départ, j'avais la vision de là où je voulais aller, parce qu'en fait, moi, je suis grand fan de basket, j'ai beaucoup joué. Et on va dire que quand j'ai su vraiment que voilà, j'irais pas en NBA, j'ai activé vraiment ce plan B des SAP, parce que je voulais toujours être dans ce microcosme, dans ce monde sportif, ouais, à la base lié au basket, voilà. Je voulais vraiment, sans être sur les parquets, quand même avoir une influence. Puis t'avais un réseau aussi. J'avais un réseau, j'ai eu la chance d'avoir un réseau de pas mal de joueurs NBA ou gros joueurs Euroleague qui ont beaucoup porté la marque. Et quel défi du coup tu as dû faire face dès le début, est-ce qu'il y en a eu? Ouais, bah déjà être pris au sérieux. Ouais. Parce que tu vois, quand t'arrives comme ça, tu dis ouais, t'as une marque de vêtements, c'est comme si tu disais que t'étais rappeur en fait. Mmh. Tu vois, au début les gens ils disent ouais ok, t'as des vêtements mais so what? Mmh. Tu vois, qu'est-ce qui se passe, qui t'habille, c'est comment? Voilà, donc au début c'est très compliqué de se faire sa place. Parce qu'il faut prouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne prouve plus, mais à l'époque, ouais, comme je disais, ouais, avoir une marque, dire que tu as une marque, c'était vraiment comme être rappeur, en fait. Tu vois, donc, il fallait réussir à montrer tes skills, ce que tu as fait, pour qui tu l'as fait, qui portait ça, pourquoi, enfin bref. Il fallait vraiment prouver. Ça a été vraiment une longue traversée du, ouais, désert, ça. Très, 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 très long. Parcours du combattant. Ouais, fort, 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 fort. Aujourd'hui, enfin, gens qui ne font pas forcément confiance, parce qu'après tout, tu as juste une marque de vêtements, comme n'importe qui peut être rappeur, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'est-ce que tu as fait de plus? Tu vois, donc ça a été vraiment très long pour prouver. Et une fois que ça a été mis en place, après, autoroute, hein, comme on dit. Et est-ce que du coup, il y a des moments où tu t'es dit j'arrête? Non, il y a eu des moments ultra durs, très 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 durs. Mais comme je suis un mec, j'ai la tête dure vraiment, je suis assez têtu. Et que je m'étais dit très jeune, j'ai eu le mental pour me dire que si j'allais pas au bout de ça là, je sais que dans ma vie, à moi d'être humain, j'allais pas être accompli. Mmh. Si à un moment j'ai arrêté ce truc là et que je prenais un taf, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, j'allais vriller. Mm. Que ce soit, je sais pas, 30, 40, 50 ans, voilà. J'allais dire, j'allais vriller en fait. Mm. Et j'allais mettre la faute. Tu connais comment ça se passe, après tu mets la faute sur les gens, sur. Tu dis, ouais, c'est parce que si, c'est parce que ça, etc. Tu deviens un peu fou. Et comme je voulais pas devenir cet être humain-là, bah j'ai été au bout, j'ai poussé le truc. Après, t'as de la chance d'être entouré par des membres, ouais, de ta famille. Ouais, la famille. Ouais. La famille proche, mais j'ai un cercle très 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 restreint, mais j'ai des vrais gens autour de moi qui avec qui on est sur dans cet équipage, quoi, tu vois, voilà, et qui me pousse vers l'avant, clairement. Et est-ce que travailler avec des basketteurs, des artistes pour la plupart US, ouais, c'était un de tes objectifs de base? Ouais, clairement, comme je te dis, moi j'ai vraiment très 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 tôt baigné dans la culture rap, tu vois. Culture hip-hop dans son ensemble. Je suis allé très très tôt également aux US, mm, parce que j'ai de la famille là-bas et tout. Donc j'ai vu ce qui se passait de l'autre côté assez tôt. Donc on a tous eu notre le rêve américain, machin, pouvoir côtoyer ces rappeurs-là qui nous ont fait rêver, quoi que ce soit. Et donc du coup je me suis dit à chaque fois, ouais, quand la marque va vraiment bien marcher, j'ai une liste de rappeurs et de basketteurs à qui je dois et à qui j'ai déjà donné mes sables. D'accord. Et à chaque fois que ça se passe, et je check list, voilà, j'ai une checklist de tous ces rappeurs-là. J'ai pas mal avancé. Je te cache pas, j'ai pas mal avancé. Il en reste encore pas mal, mais voilà. Donc ouais, c'était un objectif pour moi de pouvoir toucher tous ces mecs-là qui nous ont fait rêver, hein, mm-hmm, clairement. Il y a Giannis qui a porté Dormé. Ouais, ça s'est passé comment du coup, ouais. Giannis, c'était un des mecs de ma checklist privée. D'accord. Tu vois. Et c'était avant qu'il soit. Ouais. Bah après, déjà, quand il est arrivé en NBA, j'aimais bien le style du gars. Bon, en plus, il a un nom particulier, donc du coup, tu sais que ouais, tu retiens le truc. Quand il est arrivé, long bras, longue jambe. Bon, il n'était pas aussi baraque qu'il est aujourd'hui, mais tu savais qu'il y avait un truc, tu vois. Et en plus, voilà,
Je savais qu'il venait du Nigeria, enfin grec, mais originaire du Nigeria. Moi, je suis originaire du Bénin, donc pays collé frontalier avec le Nigeria. Donc culturellement, on est très similaires. Donc voilà, j'ai mis sur ma checklist et ça s'est fait tout bêtement. En fait, je parlais un peu avec ses frères, donc un de ses frères, du coup, Thanasis, qui jouait également avec lui au Bucks. Et Thanasis voyait ce que je faisais, les saps et tout. Voilà, et il m'a dit, écoute, si tu veux envoyer, sans problème, je te donne. Il m'a envoyé une adresse en Grèce, du coup. Et je leur envoyais souvent des cartons, voilà, des colis, à chaque fois que j'avais des nouveautés, je leur envoyais, etc. Moi, je savais que ça n'allait pas forcément être porté par Giannis parce qu'il commençait déjà à se faire connaître, tu vois, et qu'il avait un contrat, un gros contrat équipementier. Ouais. Donc je me suis dit, bon, au moins, voilà, ce sera porté par les frères, l'entourage de Giannis, je prends, quoi, c'est cool. Ouais. Et un matin, je me réveille, et je vois que je suis bombardé de notifs et tout, des abonnements, des likes, etc. Voilà. Et c'était pendant l'été 2017, je me rappelle. Et j'allume mon téléphone et je vois que je suis marqué de partout, plein de messages. Ah, Sergio, félicitations, ah, c'est cool et tout, hein, t'as réussi et tout. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je scroll. Et puis là, je vois que Giannis était en Italie avec sa femme et puis qu'il avait un t-shirt noir Dahomey. Simple, voilà. Et je dis wow. Et le mec, surtout, c'est que. Il n'a pas posté ça en story, il a posté ça en post fixe en fait sur Instagram. Donc c'était là, tu vois. Et c'était pas éphémère, 24 heures. Non, c'était réel. C'était un vrai post. Je crois même que là, si on scrolle un peu sur son compte jusqu'en 2017, tu peux voir encore le post. Tu vois. Et ça a été littéralement un game changer, tu vois ce que je veux dire. C'était incroyable. Quand Giannis, en plus, tu vois, c'était t-shirt noir avec le gros logo Dahomey. Donc oui, tout le monde voit, tu ne peux pas louper. Ça pose des questions, c'est qui, c'est quoi, ça tape Dahomey dans Instagram, ça tombe sur mon compte, enfin bref. Ça a été vraiment un game changer. Donc après, derrière, bah, quant à Giannis, après, je crois quelques années après, il devient MVP. Et ces images-là continuent de tourner. Après, après tout le monde veut reporter Dahomey, tu vois. Voilà. Il y a aussi des artistes US, dont notamment Benny, Cameron, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Lil Flame aussi. Ouais. Redmond, Ace Hood, il t'a beaucoup aidé au niveau... Ace Hood, ouais, il m'a donné énormément de force. Et pareil, lui aussi, c'est des belles anecdotes par rapport à Dahomey. En fait, on a une pote en commun, en fait, clairement. Et à un moment, il était à Paris. Cette pote en commun m'appelle, me passe un petit coup de fil. Elle me dit, écoute, là, je suis avec Ace Hood. On a un peu de temps avant d'aller à l'aéroport. On passe te voir. Et puis je dis, ouais, ça, qu'est-ce que tu me racontes? Viens, vas-y, prépare-toi, dans trois quarts d'heure, on est au magasin et tout, on est au magasin Dahomey, prépare-toi. Je dis, ok, et tout, je raccroche, j'en parle à un de mes gars, je dis, ouais, écoute, il y a Nadège, elle m'appelle, elle me dit, ouais, elle arrive avec Ace Hood. Là, on éclate de rire, on rigole, et tout, on fait, ouais, bref, on continue notre vie. Et effectivement, trois quarts d'heure après, il y a un van noir qui se garde devant le shop. Et là, je dis à mon gars, pour rigoler, je dis, ouais, regarde, il y a Ace Hood qui va sortir du van et tout, et on éclate de rire, on rigole. Et à ce moment-là, il y a le chauffeur du van qui descend du van, qui ouvre la porte du magasin, sans dire bonjour ni rien, il check à gauche, à droite, il regarde un peu, il regarde je sais pas trop quoi dans le magasin. Après, je dis, ouais, il est bizarre le gars, qu'est-ce qu'il veut, c'est bizarre. Et, et il retourne à son van, il fait un signe au van, genre, ouais, c'est bon. C'est bon, ouais. La porte s'ouvre et là je vois le gars, grande locks comme ça qui sort du van et je vois ma pote derrière, je dis non. Il est vraiment là. Ok, c'est réel. Donc il rentre dans le magasin et tout. Ma pote elle vient me voir, elle me fait un petit clin d'œil, elle fait tu vois, je t'avais dit gros. C'est pas des lol, ouais, tu vois. Et non, bonne ambiance, le gars a vraiment kiffé le magasin, c'était vraiment réel avec lui. Il a acheté des trucs et tout. Et derrière, on est resté même en contact, lui et moi. Et parce que il me dit, vas-y, prends mon numéro, je kiffe vraiment bien ce que tu fais et tout. C'est cool et tout. Et il me dit, prends mon numéro, dès que je rentre là-bas, on reste connecté, quoi. Et je me dis, t'as vu, moi, je connais beaucoup les Américains, tu vois. Tu sais, ils sont enjaillés sur le moment, mais derrière, il se passe rien de prévu. Enfin, voilà, c'est pas efficace derrière. Mm-hmm. Et avec lui, ça a été tout le contraire. Il est rentré là-bas, il m'a envoyé des messages, écoute, c'est cool. Là, j'ai de la promo. Je crois qu'il sortait un album à ce moment-là. Il durait pas mal de promos. Envoie-moi des trucs
Et je te donne de la force, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Pendant un an, il a porté du Dahomey non-stop. Il y a des freestyles légendaires qu'il a fait en Dahomey, tu vois. Et ouais, ce que j'aime bien avec cette relation, c'est que c'est réel. Tu vois, ce mec-là, je l'écoutais de ouf et tout, voilà. Mais derrière, on a eu une autre relation, c'est devenu vraiment réel. Il y a une période, il tournait beaucoup, il n'y avait que des tubes. Exactement, exactement. Donc non, je suis très content. Et puis, big up à lui parce qu'il m'a donné vraiment énormément de force. Quoi. J'ai un souvenir, l'image où il est sur son lit et il y a du Dahomey partout. Ouais, exactement. Tu vois, non, il a vraiment... tu sais, et les gens m'ont dit, ouais, mais c'est quoi, t'as un contrat avec lui? J'ai dit, non, il n'y a rien de contractuel. C'est juste il aime la marque, tu vois. Et je suis très content, c'est cool. Il aurait pu porter n'importe quelle autre marque de luxe qu'on connaît et tout. Non, bien sûr. Non, il a été chez Dahomey et ça, c'est... Elle est là, la vraie culture. Mmh. Voilà. Non, tout à fait, ouais. Voilà. Ça donne de la force, du coup. Clairement, clairement. Ça fait la Fashion Week de Turin en 2018. Ouais. L'agenda à Las Vegas en 2021. C'est ça. C'était des lieux que tu avais aussi dans ta tête. Ouais, clairement, clairement. Bah, surtout l'agenda à Las Vegas, c'est quand j'ai commencé la SAP, c'était vraiment... Enfin, l'agenda, pour expliquer un peu, c'est un salon streetwear qui a lieu tous les ans à Las Vegas. Et ce salon réunit un peu toutes les grosses marques streetwear, lifestyle et les marques, ce qu'on appelle up and coming, c'est-à-dire que les marques un peu émergentes à suivre. Et quand j'ai commencé à la SAP, c'était vraiment le salon que je voulais faire avec le complexe Con, tu vois. Et je me rappelle, c'était un peu avant Covid. Je reçois un message sur Instagram, du compte Instagram de l'agenda, me disant, voilà, ça fait un petit moment qu'on suit Dahomey, on aimerait bien que vous participiez à notre trade show à Las Vegas, ce serait cool. Et moi je vois ça, je dis c'est pas possible, c'est une pub, c'est un spam, un truc chelou. Ouais, c'est, et tout. Ouais, c'est bizarre. Je clique, je vois que c'est vraiment le compte, je bug, je réponds. Et c'est avéré que ça a été vrai, puisqu'après on a eu des coups de téléphone avec eux et tout, c'était réel en fait. Et je me dis incroyable, donc ça pareil, j'ai checké sur ma checklist, ça c'est fait. Et, mais après manque de peau, on est tombé en plein Covid, donc du coup le trade show a été repoussé à quelques mois après. Donc on a quand même pu le faire, ça a été incroyable. Un gros réseau qu'on s'est créé là-bas à Las Vegas, puisque vraiment tout le game textile un peu des US est présent, et quand t'es là-bas, c'est que t'es sur la carte en fait, clairement. Et c'est par ce biais-là également que Dahomey s'est fait connaître un peu aux US en fait, voilà. Parce qu'en fait, les Carrie ont commencé à voir qu'on avait habillé des Janis, qu'on avait des Icewood et tout, ils ont dit « Attends, comment une marque française, ils arrivent comme ça, ils arrivent à avoir des gars comme ça ?» Et puis on a fait... c'est pour ça que ça a fait pas mal de buzz là-bas, tu vois. Tu as ouvert une boutique 2 mois avant les Gilets jaunes. Ouais. Tu as ouvert une boutique à Londres juste avant le Brexit. Ouais. Le Covid a également passé par là, on en a parlé. Finalement, ça se joue au mental, tout ça? Ouais, c'est que le mental. C'est moi, ma carrière dans le textile, je la mets un peu je fais un peu le parallèle avec une carrière sportive en NBA, tu vois. Il y a forcément des hauts, il y a forcément des bas. Le tout, c'est vraiment de garder le mental, en fait. Tu vas jamais marquer 40 points à tous les matchs. Tu vois ce que je veux dire? Des matchs, tu vas faire 2 sur 13, tu vois, il va rien se passer, vous allez, voilà. Donc là, c'est pareil pour l'entrepreneuriat, tu vois. C'est, faut juste avoir le mental. Ok, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Il y a les gilets jaunes, il y a le Covid, c'est relou, c'est très très relou, genre. Vas-y, c'est quoi le plan pour se maintenir à flot, quoi. Voilà. C'est juste là, c'est vraiment que dans la tête que ça se passe, tu vois. Voilà. Et puis non, ouais, on a réussi à se tenir encore debout aujourd'hui devant toi après tout ce qui s'est passé, des gilets jaunes, des Covid, des manifestations, des tout ce que tu veux. Enfin, le monde n'est plus le même qu'en 2019-2020, tu vois. Donc être encore là devant toi aujourd'hui, c'est juste une question de mental, en fait, clairement. J'ai lu aussi que la NBA t'avait envoyé un contrat de 672 pages, c'est ça? Ouais, c'est via, oui, ouais, c'est via le deal avec NSI, quoi, voilà. C'est, donc c'est vrai. 600 pages, t'as vu où 600 pages, t'as vu 672 pages, j'ai vu ça. Ouais, c'était un truc, bon, tu connais ces contrats-là, c'est vraiment énormément de pages, tu vois. Donc là, c'est notre deal avec NSI, donc à l'occasion de leur partenariat avec la NBA. Donc ils nous ont demandé de réaliser un peu tout le merch qui sera lié à ce deal avec la NBA. Donc à chaque fois qu'il y aura
un événement NBA dans le monde avec NSI. Donc c'est nous qui couvrirons cet événement avec le textile. Quoi, voilà. Et du coup, forcément, NSI, c'est LVMH. Voilà, c'est le H de LVMH. Donc du coup, toutes ces ordres d'entreprise, c'est vraiment, tout est vraiment ficelé. Des gros contrats avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages, tu vois. Donc, ouais, ça nous a, entre guillemets, amené dans un autre niveau en termes de partenariat, quoi. Voilà, c'est des avocats qui se parlent et c'est tout. Ça. C'est un autre game, en fait, clairement. Donc ouais, c'est réel. Tu as collaboré à plusieurs reprises avec les BET et cette année, tu as célébré les 50 ans du hip-hop avec une jacket ouais. Merci, spéciale du coup. Exactement. Pour les 50 ans. Très, très belle, d'ailleurs. Merci beaucoup. Comment est née cette initiative? Est-ce que c'était naturel, finalement, vu que c'était les 50 ans du hip-hop Ouais. Bah, alors, ça s'est fait comment? Ça s'est fait avec... Moi, j'ai mon gars, Sindanou, qui bosse chez BET depuis des années. Et on avait déjà fait une première veste, c'était à 3 ans, je crois. C'était un peu c'était avant Covid, en tous les cas. Et là, on était dans la 50e année du hip-hop. Et je lui ai dit, gaffe, faut marquer le coup. Parce que je savais qu'en octobre dernier, il y avait les BET Awards à Atlanta. Et là, je l'appelle, je lui demande, BET, ils ont prévu un merch spécial pour les BET Awards, un truc, un merchandising, une sap, quoi que ce soit. Il me dit, non, pas que je sache et tout. Non. Et je dis, mais gros, viens, on vient en tout cas en France, on fait un produit pour marquer le coup, tu vois. Un produit 50 ans du hip-hop et tout. Et il me dit, ouais, tu penses à quoi? Je dis, vas-y, viens, on fait une jaquette. Une grosse jaquette, 50 ans du hip-hop, numérotée. On fait 50 pièces réellement, et on fait une petite soirée pour les remettre à 50 gens de la culture en France, en fait, 50 personnes de la culture. Et elle m'a dit, gros, let's go, c'est parti. Donc là, du coup, je me suis mis à dessiner, j'ai dessiné la jaquette. En vrai, quand je l'ai appelé, j'avais déjà la jaquette en tête, en fait. Donc quand il m'a donné le feu vert, la jaquette, je l'ai créée en une heure, même pas, tu vois. D'accord. Je savais déjà exactement ce que je voulais faire. Ouais, c'était vraiment très, 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 très vite. Et du coup, voilà, je le renvoie, il m'a dit, gros, c'est parti, let's go. Et on a fabriqué 50 pièces numérotées de 1 à 50, tu vois. Et pour le soir de la diffusion des BET Pop Awards à Atlanta, pour les 50 ans du hip-hop, on a fait une petite soirée en parallèle, nous, à Paris, en France, pour célébrer ça, déjà, premièrement, pour célébrer 50 ans de culture, et également pour remettre à tous nos guests cette magnifique jaquette. Donc, voilà. Il n'y en a plus. Là, il n'y en a plus du tout. Non. Tout le monde me demande, là, et tout. En plus, j'avoue, elle fait beaucoup effet, cette jaquette, parce qu'à chaque fois que tout le monde la porte, moi, j'ai mon gars Swift, Dirty Swift, quand il la porte, il m'appelle, il me dit, gars, c'est la veste, quand je la porte dans la rue, les gens m'arrêtent et tout. Enfin, les gens, ils prennent des photos. Pareil, je l'envoie à des gars aussi aux US. J'ai les mêmes réactions, donc je suis content, on a visé juste avec cette veste, clairement. Voilà. Le fait d'avoir fait que 50 pièces, c'est bien. Ouais, ça crée la rareté et tout, c'est cool. Du coup, quand on repense à tout ça, tu as fêté les 17 ans de la marque. Ouais. Avec ce qu'on voit derrière. Exactement. du coup, le temps passe vite. Le temps passe très vite, ouais. Est-ce que tu as prévu quelque chose pour les 20 ans? Ouais, pour les 20 ans, honnêtement, je suis déjà en train de préparer. Ça va être quelque chose de... Ça va être quelque chose. Ouais, ça va être... Non, je ne peux pas en dire plus, ça va être... ça va être à l'image de Dahomey, en fait. Tu vois, ça va être à l'image des 20 piges de Dahomey, des hauts, des bas, des tous les gens qui se sont investis dedans, qui... Voilà, ça va être un truc de ouf, clair. Et par rapport à ton parcours, quel est le conseil le plus précieux que tu as reçu et qui t'a le plus inspiré? Le conseil le plus précieux qui m'a inspiré et que du coup j'ai appliqué, c'est de rester focus. En fait, c'est tout con, hein, mais de rester focus, en fait, sur les objectifs, sur ce que j'ai à faire et surtout sur la vision de la marque, en fait, et sur ma vision. Parce que quand tu commences dans ce métier-là, il y a beaucoup de gens qui vont parler dans ta tête, en fait. Ouais, tu devrais faire ci, ouais, j'ai essayé ça, tu devrais faire ci, ça. Enfin, on va donner plein de conseils. Tu vois, et en fait, si tu es dans une période un peu bizarre où tu es en plein doute, une période de doute, tu peux dévier, en fait, et écouter telle personne qui va te dire, ouais, gros, fais ça,
fais. Alors que cette personne-là qui te dit de faire ça n'a jamais fait ça. Mmh. C'est ce que je veux dire. Et moi, le tout vraiment, c'est vraiment de rester focus sur son, dans sa vision. Mmh. Voilà. Et après, tout se passera comme prévu. C'est ce que Swai Kaloé m'avait dit aussi quand j'ai commencé le journalisme. Elle a dit stay focused. Ouais, c'est con, hein, mais c'est. Ouais, c'est genre, on va dire, ouais, c'est cliché, etc. Mais vraiment, reste focus sur toi, sur ta vision. Et je te promets que tout ira. C'est ça, parce que ça a l'air tout con, mais c'est pas si facile que ça, quoi. Exactement. Mm-hmm. Parce que t'as beaucoup de paramètres autour, des gens qui vont venir te parasiter le cerveau. Et il suffit que tu sois un peu fébrile à ce moment-là. Et puis, tu vois, comme tu dis, tu dévis. Hein. Voilà. Franchement, bah, écoute, longue vie à Dahomey. Merci beaucoup. Et bah, finalement, my life is a game seven every day. Tu vois, c'est réel. Voilà, t'as le mot de la fin. C'est ça. Say no more. Je peux rien dire de plus. C'est cool. Merci à toi, en tout cas. Merci à toi, c'est cool.